La quatrième position pour l'allaitement, c'est la position allongée quand les femmes sont fatiguées. Donc, on met un coussin sous la tête de la maman, qu'elle n'ait pas sa tête à porter, un coussin entre ses deux jambes avec la jambe du dessus repliée. Ça la rend plus stable et puis ça permet à ce que le bas de son corps soit soulagé après l'accouchement. Et puis, on amène le bébé. Et donc là, on voit bien que dans cette position, le bras gauche là, de la patiente, elle ne sait pas très bien quoi en faire. Elle ne peut pas tenir le bébé vraiment. Elle ne peut pas le mettre vraiment voilà, en longueur, sous le bras. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour ce bras gauche. Donc le bras droit, il se retrouve tout seul pour gérer le bébé et puis pour gérer éventuellement le soutien-gorge, le sein. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'astuces. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas une position pratique. On la fait quand on est fatigué, mais il y a énormément de risques de crevasses.